Bonjour les amis. Alors cette fois-ci, je vais commencer par la vidéo en français. Vous savez que ce Lumix S1, pour moi, est un appareil fantastique. La qualité de l'optique est au moins équivalente, si ce n'est à mon avis mieux que celle du Sony, du Canon, enfin, incroyable qualité, aussi bien de fabrication que de qualité d'image. L'optique est fabuleuse. Et bien sûr, comme j'ai toujours mes optiques Canon, j'ai donc acheté le Sigma. Le Sigma pour Canon, c'est bien le voilà, MC21 pour Canon EF. Vous voyez? Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vais le retourner? Les photos, il n'y a rien à dire. Le Canon marche très bien dessus, à part en ce qui me concerne un gros défaut. J'ai acheté cet appareil pour sa rapidité. Et hélas, il ne marche pas en focus continu. Il faut toujours être en focus simple, mais en continu, ça ne marche pas. Donc, de ce fait, eh ben, dommage, je vais le retourner. D'autant plus que le MC11 pour Sony marche très bien, aussi bien en continu qu'en single. Voilà. Et il coûte 149. Et là, il coûte 249 et il ne marche pas en continu. Donc, je vais attendre les optiques que nous a promis Sigma au lieu d'acheter un adaptateur et de me servir des optiques Canon. J'espère que Sigma sera un peu plus raisonnable que Leica en L-mount, c'est-à-dire pour cet appareil, et qu'il nous sortira des optiques aussi raisonnables que qu'il le fait pour Canon, Nikon ou Lumix. Lumix, bien sûr, Micro Four Third, 4 tiers. Voilà, je vais refaire cette vidéo en anglais maintenant, en essayant, pour mes compatriotes anglais, américains. Au revoir, très bonne journée.